Ce timbre de 1997 célèbre ce vieux métier de voiturier de marée, encore appelé chasse-marée. Dès le Moyen-Âge, comme l'attestent les ordonnances de Saint-Louis en 1298, le transport de pescailles de mer est réglementé et organisé depuis les ports de la Manche, Boulogne, Étaples, Saint-Valéry, Dieppe. Les attelages de chasse-marée quittent Dieppe vers 17h, avant la fermeture des portes de la ville, pour arriver aux Halles de Paris par le faubourg Poissonnière aux premières heures de la matinée. En moyenne, ce sont près de 660 voitures de marée qui partent de Dieppe et entrent dans Paris chaque année. Pour garder monture fraîche, l'attelage est changé de relais en relais toutes les 2 heures, soit 24 à 30 chevaux par voiture et par voyage. Ainsi, chaque attelage transporte fraîchement calé au milieu des algues 3 à 5 tonnes de marchandises. Il livre en poissons frais les marchés des grandes villes comme Paris ou Rouen. Le Boulonnais est le cheval marayeur et le cheval de trait de la région du même nom. Il est donc évidemment tout destiné à former l'attelage du chasse-marée. Il tire une charrette au ridelle d'osier légèrement incurvée, appelée ballon de marée. Cette pratique bat son plein du XVIe siècle jusqu'au milieu du XIXe. Le déclin commence lors de l'inauguration de la première ligne de chemin de fer le 29 juillet 1848. En effet, il fallait moins de 24 heures pour rallier Dieppe à Paris en attelage. Seulement 4 heures sont désormais nécessaires par le train. Depuis 1991, une course d'attelage est organisée pour revivre ce pan de notre histoire, la route du poisson. Les concurrents doivent relier Boulogne-sur-Mer à Paris en moins de 24 heures. Elle est devenue la plus importante course par relais d'attelage de chevaux de trait en Europe.